Il est qui? Bonjour. Voilà. Ça va? Tu vas bien? Dans la salle de prière? Dans la salle Magman, dans l'attente de la publication de résultats? Oui, je suis en direct, toi. Ah oui, je suis. Allô. On est dans l'application. Oui, dans la salle, oui. On est dans la salle. Dans l'attente de la publication. Allô. Attends, donne-moi une minute. Dans l'attente de la publication de résultats. Donc les journalistes, les gens en place. Je vais vous montrer. Je parle ici. Oui, mais la population tant congolaise que les autres, tout le monde sait que les reports ont été enregistrés par plusieurs fois. Pendant que l'attente est assez importante. Alors, il y a eu plusieurs reports, mais j'ai comme l'impression que c'est finalement aujourd'hui, mercredi 9 janvier 2019, que la centrale électorale RD congolaise a enfin décidé de pouvoir rendre le verdict final pour dire qui seraient les victorieux de l'élection présidentielle organisée le 30 décembre 2018 dernier. Alors on attend savoir de qui sera donné, qui est-ce qui sera victorieux, quoi. Est-ce que vous pensez que ça pourra être fait d'ici une heure, deux heures, ou ça peut prendre encore plus de temps que... Toujours par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire des reports en reports. Je me réserve de pouvoir me prononcer par rapport à l'heure. Mais nous tous, nous sommes suspendus à savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire qui est-ce qui sera annoncé comme le futur président de la République démocratique du Congo, comme successeur de Joseph Kabila, qui devra faire un passage civilisé au sommet de l'État avec celui qui va venir. Mais vous êtes journaliste Eric Isami, je rappelle, d'Antenne 1, journaliste et vous couvrez les activités de la CENI. Est-ce que le travail de la délibération en plénière est terminé? Est-ce que vous avez une suite par rapport à ce qui se fait en plénière? Nous avons une suite, mais encore toujours, il faut vérifier encore et encore. Parce que bon, on ne voudrait quand même pas balancer quelque chose qui pourrait encore. Il faudrait vérifier pour être sérieux aussi par rapport à ce que l'on annonce à la population. C'est très sérieux. Il ne faudrait pas balancer n'importe quoi. Encore faut-il vérifier d'abord. Et c'est seulement qu'on est très sûr de ce que l'on veut dire que l'on peut balancer. Parce que la population voudrait savoir c'est qui est victorieux. Jusque-là, ça n'a pas encore fouillé. Parce qu'il y en a qui disent c'est elle qui est élue, c'est elle qui est élue. Je n'oserai surtout pas. Je n'oserai surtout pas m'avancer sur ce terrain-là. J'attendrai le moment venu qu'on pourra annoncer. Et il faut respecter le public, il faut respecter surtout les Congolais qui ont longtemps attendu ces élections d'abord, plusieurs fois reportées. Et puis, en principe, on a annoncé que c'était le 6 janvier dernier que l'on devait annoncer le gagnant. Ça n'a pas été fait. Nous sommes allés de report en report. Alors, respectons quand même le peuple pour attendre le moment venu, pour lui dire la vérité qu'elle veut savoir. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi leader d'opinion. Un mot perdu. Parce qu'il y a d'opinion, trois leaders d'opinion. Il y a trois leaders principaux, candidats, mais il y a 17 autres candidats. Eric Isami, il y aura un seul vainqueur. Un mot peut-être pour ces autres camps qui se sentiront lésés, leur candidat.
Vous savez, c'est depuis l'accession du pays à l'indépendance en 60 que l'on attend vivre un passage civilisé au sommet de l'État, dans la paix. Ça sera un beau cadeau que d'offrir au peuple congolais ce passage-là dans la paix pour que celui qui viendra puisse davantage commencer à parachever le travail qui a été amorcé entre-temps. Et c'est ainsi qu'on va, nous tous, honorer les paroles que nous prononçons dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Si c'est vraiment notre vœu depuis les pères de l'indépendance, mettons-nous au travail pour aider celui-là à pouvoir trouver des solutions aux préoccupations qui sont exprimées au sein de notre communauté. Merci. La salle Abbé Apollinaire Malou Malou. David, tu peux m'aider à me prendre comme ça, s'il te plaît? Tiens là. Tiens ici. Tiens seulement ici. Tiens là. Non, 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 pas là-bas. Tiens seulement ici. C'est bon? Donc, comme vous l'avez constaté, on est dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou, au siège de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ici que le bureau de la CENI va proclamer le vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Comme ça a été avec l'abbé Apollinaire Malou Malou. Comprenez qu'on est en direct, on se bat tant qu'on peut. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour avoir de la connexion Internet, même dans la CENI, au siège de la CENI et le direct. Parfois, il y a de désagréments. Mais bon, on attend. On attendra que le bureau arrive. Jusque-là, moi, je ne spécule pas. On a dit c'est X, on a dit c'est Y. Nous, on attend que la CENI nous dise qui est celui-là qui a remporté le plus de suffrages le 30 décembre dernier. Et nous allons nous en tenir à la publication, au résultat qui sera proclamé. Et
c'est tout à fait légitime que chaque camp revendique la victoire, mais la seule institution habilitée à nous dire celui qui a gagné, c'est la CENI. Et donc nous attendons avec les journalistes déjà en place. C'est un grand événement pour notre pays, il faut le savoir, il faut le reconnaître. C'est un grand événement, comme vous pouvez le voir. Il y a la presse nationale, la presse locale, la presse africaine qui est là pour couvrir cette activité, l'annonce de ces résultats, qui est une grande activité de notre pays cette année. Donc on attendra et restez connectés. Si la connexion ne nous trahit pas, vous aurez plus de détails. Je serai en direct, mais aussi n'oubliez pas que c'est une activité qui est retransmise en direct sur la RTNC. Voilà. Si vous avez la possibilité de suivre la RTNC, la publication de résultats sera diffusée en direct à la RTNC. Voilà, ça me permettra aussi de pouvoir garder un tout petit peu la charge de mon téléphone et écrire des articles. Merci à tous ceux qui nous lisent sur www.actu30.info, notre YouTube magazine Actu30, sur Facebook, sur Twitter, et puis voilà. Merci à nos partenaires qui nous suivent et on se dit à très bientôt.